Président et moi-même ont eu une très productive discussion des sujets variés. Par exemple, notre travail conjoint sur les Amis du Golfe de Guinée, Friends of the Gulf of Guinea, notre solide coopération bilatérale dans la matière de sécurité, la protection de l'environnement, le changement du climat et aussi dans le cadre de COP26. Nous avons par ailleurs discuté la participation du Gabon au sommet des dirigeants mondiaux du climat, des changements climatiques, the Leaders Summit on Climate Change, initié par président Biden, mais également sous les efforts conjoints mis en œuvre pour lutter contre le trafic illégal d'êtres humains, de la faune et de la flore. Féliciter bien sûr le président pour l'élection du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies, où nous avons hâte de collaborer au bon nombre de questions. Nous avons aussi discuté la situation économique, la situation de COVID-19, notamment l'annonce la semaine dernière par président Biden concernant un don des États-Unis de 500 millions de doses additionnelles de vaccins américains offertes au monde entier à travers du COVAX,